Bon. C'est parti, un nouveau combat multi, on va voir sur qui ou sur quoi on va tomber. Ok. Personne quitte, parfait, on a trouvé un combat. Bon, forcément, en face, il va y avoir que des légendaires. Je prends la musique de Rosemary. Non, Eternatus, c'est là. Oh, ouais. Bon, là, j'envoie direct Lampignon. Enfin, normalement, ça dépend des équipes qui en face, surtout. J'avoue que le Lampignon, si j'arrive à le toucher avec la Vive Griffe avant, c'est... ça m'arrange si on me focus pas direct. Ah ouais, mais l'autre il a des Pokémon moisis, l'autre, le Rubén. Hein. Contre l'autre, Raikaza. Ah ouais, mais on est chargé quand même. On est chargé quand même là. Dracofeu, il va faire des gros dégâts là par contre. Hein. Je vais garder Lampignon pour après, on sait jamais, il peut toujours servir pour plus tard. Là, le Dracofeu, il va faire mal en face. Hein. J'aurais pas aimé être avec le Robin, Miskin. Où on trouve Scarino? Oh putain, là, je peux pas te dire. Ça fait 100 ans, je suis pas allé sur Isle Armure. Hein. Avec Kaisa Shiny, forcément. Ce serait bien que lui puisse. Je puisse Dynamaxer. Enfin, Gigamaxer plutôt. Parfait, parfait. Dracofeu. Augmente la défense. Je vais m'augmenter la vitesse, on sait jamais, Raikaza c'est rapide. Le beau Dracofeu. Le beau gosse. Putain, mais Lampignon, je suis vraiment pas serein. Hein. C'est comme un Charmeleon. Putain, le bâtard. Ça Dynamax aussi de leur côté. Eh ben, ça commence fort. Hein. Vitesse elle est bien augmentée. Maintenant la Magerna, je vais la faire sauter. Sur moi ? Bon, tu veux faire combat de géant ? Vas-y, je te focus. Il veut s'augmenter la vitesse lui aussi, l'enfoiré. Mais elle peut apprendre lance-flamme, Magerna. Je crois. Je crois. J'ai envie de continuer. On va faire bataille de montage de vitesse. Ah, bah oui, forcément. Forcément. Adieu Raikaza, t'étais tout beau, t'étais magnifique, tu ne l'es plus.
Là, si je veux, genre, je fais une attaque qui augmente l'attaque physique. Et après, j'aurais juste attaqué, je suis à plus 2 de vitesse quand même. Et je serai à plus 1 d'attaque, donc je ferai des gros dégâts. Eh ben, tant mieux qu'il arrive, lui, tant mieux. Je vais faire une attaque combat. Ah non, j'ai pas d'attaque combat, merde. Ah, merde. augmente la vitesse. Et là, je leur fais des dégâts. Oui, je vais mettre le champ à la gauche. Ouais. Mais c'est mieux de leur faire des dégâts. Au parcours, ça va leur faire des dégâts, ça. Bon, mais les Girok rip. Même pas, ok. Au moins Magerna. Au moins. Je croyais qu'elle allait résister à l'attaque. Ah, j'ai clair. Oh là 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 là, Dracaufeu qui carry tout ça. Dracaufeu qui carry. Oh, il fait cage éclair. Voilà, on est chargé un peu en vitesse. Donc là je peux brûler. Ouais, c'est mieux de brûler lui. Chaîne de la casse. Oui. Oh là 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 là, Zacian, le tandem, hein. Paye ton tandem, hein. Zacian Dracaufeu. Eh tiens, eh tiens. Ça c'est bien au moins parce que mon truc va leur péter le la ceinture force s'ils en ont une. Mais boah, vas-y frère, déclare pas forfait, fais tes combats jusqu'au bout. Vous êtes sérieux là? Profite même pas de mes victoires. C'est quoi ça? Vous allez déclarer forfait si vous faites des tournois? Non mais... Bon, enfin bref, Dracaufeu, énervé, toujours aussi énervé Dracaufeu. C'est un peu comme un Léviator. C'est tout le temps énervé, peu importe quand tu vois. En fait. Bon, ben, c'est un combat sympa. Dommage qu'il y ait eu un forfait de en face. Mais bon.